Alors, on continue ce carnage, oui ou crotte? Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Oula, 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 j'ai un problème avec des câbles là. Comment ça? C'est moi ou il est mort empalé par le truc? Ah oui! Ok, tout va bien. D'accord, le gars il s'est tué tout seul. J'ai pas compris comment, mais apparemment il s'est empalé dans le décor. Bon bah cool. Ça va bien, et vous? Oh, c'était merdier. Oh là, merde. Vache, c'est mal le salaud. Ah, il a réussi à casser mon arrière. Quoi, absorber éloquence? Oh mon Dieu! Papillon. Celui-là, je l'ai vite expédié, dis donc. Ça craint du boudin, j'ai pas trop de charge. Oh là là, oh l'état de mon. Eh ben dis donc. Oh, mon casque il a morflé. Mon casque il fait quasiment plus effet là. Oh là là, oui, j'ai le casque dans un état. Oh, adieu. Oui, aussi, je peux. Pour regarder ce que c'était. C'était quoi? Ah, volonté et intelligence atténuée. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, étonnes. Non! Je perds trop de charge. Ah, j'ai rééquipé son cadavre de l'épée. Trop stylé. Je porte encore trop de charge, merdoum. Faisons de la magie du démon. Alchimie. Je sais plus. Oh bof. Attends voir. Oh. Ah, silence, c'est pas mal. Hein.
C'est pas mal. Bon, bref. Comment il a fait de construire tout seul? Je sais pas pourquoi. C'est piégé. Respiration aquatique, énorme cadeau, trop bien. Oh, c'est cool ça. Non, ben, au moins ça s'est fait. Bah, je vais en profiter pour jouer les forgerons. Hop là. Voilà. Allez, go. Deux la tronaque de feu, la folie. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas plus mal. Ah merde, j'ai placé une magie. Magie, magie, dodi 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 dodi. Ah oui, intéressant ça. Ah ça. Attention, on va essayer de faire ça dans les règles de l'art. Oh oui. J'y vois rien moi, je vais mettre mon anneau de Spruckmuche. Parce que j'y vois que puis. Ah, comment ça fait le chien toi-même. J'ai fait mal. Au pied chien. Oh là c'est saligo. Mal poli. Oh l'autre est hallucinant. Oh, c'est quoi ça? Waouh, waouh. Je savais même pas que ça existait ça. Waouh, 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 waouh. Alors, je prends tout.
Choupo Kabou. Ah ouais, merveilleux. Alors attends, je perds trop de charge. Cependant. Minute papillonne. Ah, mais je suis décoré de l'ordre de la brioche, moi, sur mon pull. Bravo, j'ai des miettes partout, j'avais même pas vu. Ah. Excusez-moi. Aïe, 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 je me fais mal. Hop. Je suis en train de m'avachir au niveau de mon siège, c'est pas bien. Je disais quoi, potion? Oui, cœur de Draedra. Oui, ben voilà. Là. Et donc, j'avais un bouquin. Ah ouais, choc électrique. Non, bouclier. Oh là là. Excellent. Excellent. Ah oui, attends, faut que j'attrape ma vie. Ah bah j'enlève le défi. J'enlève le défi. Ah, loupé. Alors, on y retourne, allez, c'est la fête. C'est bon. Ah non, je suis toujours trop lourd. Mince. Mince. Peut-être faire usage d'un... Non, pardon. Alors attends, parce que faut que je continue de recharger ma vie. J'ai hâte d'avoir le sort où je recharge ma vie en une seule fois là. Parce que j'ai toujours appuyé sur la touche, ça devient chiant. Je vois qu'à l'épisode 20, j'aurais. Je vais me faire des thunes, c'est merveilleux. Bah j'ai bien fait de me faire tout un paquet de lotions. Oui, de potions de magie. Parce que j'y vais à un rythme industriel. Oh non, il m'a déjà vu. Ah cette puissance. Oui, t'as une belle armure. Je pense que je devrais être peinard là maintenant.
moins je l'espère. Alors attends. Parce que regarde. Je m'y attendais. Hop là. Oh merde, il y a encore du monde. Putain, mais c'est pas vrai. D'avoir été trop pas loin. Ah, sympa. Ah bah ça y est, je suis trop pas lourdi. Oh là 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 là. Donc, potion pour changer. Oh, ce rite de fou. Si tu veux, allez, je suis plus à ça près, moi. Quoi, je suis encore trop lourd? Oh. Bon, c'est reparti pour jouer les forgerons. Allez, je vais péter tous mes marteaux d'apprenti, c'est la fête. Là, je vais quand même le garder pour l'épée, parce que si je veux encore me battre. Oui, elle est lourde pour pas cher, donc autant, voilà, je vais en empoisonner une, hop. Au moins... Oh, j'ai... Attends, mais j'ai vu un truc en plus. Quelle horreur. Ah, d'accord, oui, alors l'horreur absolue, il n'y a rien en tir. Alors la question, putain, c'est quoi? Ah, c'est un bon. Attends, si là, c'est pour descendre, là, c'est pour... tuer la vente. C'est ça. Ah, quel mot ça. Aïe. Merde. Je remets le truc de vue de... Je comprends plus, ils en ont plus un, merci. Putain, l'autre vue, je commence à les mains pendant quelques minutes. Je crois qu'il faille aller là. Oh merde. Ah. Dommage. Là il m'a eu. Polo U. Oui alors attends, je me lève. Donc, je disais, retour à la vision. Là-bas. Mister, il y a Mister Palaver.
Ah merde, il y en a un là aussi. Monsieur, je me laisse essayer là. Ah si, il s'arrête. Ah non. Il pense que ça chute. Le malheureux. Il poursuit, ça chute. Oh, dilou, dilou, dilou. Alors. Le contact brûle dans tes dents. Donc je crois qu'il faille que je trouve la c'est impossible en même temps. À moins d'être déjà un demi-dieu. Et encore, je sais pas si le qualificatif est juste. C'est... ouh, dur. Récupéré au niveau du talon d'Achille. Oh la vache. Là après tout tomber je m'en moque. Ah. Merde, je peux plus bouger. Rendez-vous esclave. Ah, je suis dans la mouise. Je peux plus bouger là. Ah là là. Merde, c'est pas ça que je voulais en plus. Oh, j'ai fait n'importe nawak. J'ai fait n'importe nawak. Potion de paralysie 5 secondes. Oh, trop bien. Alors, poison de silence. Oh là là. Edward le silence. Ouais, bah, elle me servira pas trop celle-là, donc je peux y aller. Ah.
bien un bac. Et ben voilà. Et à nouveau, je porte trop de charge. Oh ce bâtard. Du coup, je réessaye à refaire une potion. Allez, nous soyons fous. Ben voilà, oui, elles sont bien celles-là. Ah, vache. Ah oui, la poudre qui est là, c'est vrai que c'est bon. D'ailleurs, je serais peut-être bien de réparer mon épée. Parce que là, j'en ai fait pas mal usage. Ça a bien tapé. Oh ! Votre talent d'armurier est accru. Les longues journées et nuits passées à la forge vous ont tanné la peau et musclé les bras. Vous êtes désormais un apprenti armurier. À l'aide de marteaux, vous pouvez maintenant réparer intégralement les armes et armures, sauf les objets magiques. C'est classe !
là, t'as pas envie de t'arrêter ici. Attendez, faut que je vérifie un truc, excusez-moi. Alors, me revoilà, pardon. Alors non, je suis plus de potions. Alors, paralysie, est-ce que je peux faire quelque chose à base de paralysie? Ça contre ça en épée là, poison quoi. Poison de la violence. Non bah c'est bon, il n'y a plus personne. Hein. Ah ah, oh non, comment perdre de la vie bêtement? Ah yeah! J'ai gagné! Ah ouais. Oh, ça fait du bien de retrouver la lumière du jour, dis donc! Avec le chant des oiseaux. Oh bien. Alors attends. Mon cheval il était sur la route en haut, il fallait que j'aille en haut. Je me souviens de ça. Merde. La pente est tellement abrupte que j'arrive même pas à avancer. Ah, les loups. Je vais récupérer les coups, je pense. Bah oui. Je m'étais arrêté là et puis. La tronaque de feu, attends. Parce que ça se rate pas, hein, le sac de feu. Non, non, mouru. Y'a plus. On est d'accord. Oui, il faut que j'aille là-bas. Ouais bah bouge. Oh, j'ai failli renverser Bambi. Non mais dis donc, je vais vous la prendre. Ah, t'as pas bon chemin.
merde. Ne m'en veux pas, mon cheval. Je suis désolé. Ah merde. Mais c'est pas contre lui qui m'en veut. C'est lui. Attends, tu tires sur quoi, toi? Ne vous allez mourir. Ah, t'attaques mon cheval. C'est une dame. Non. Ah, ça va pas, non? Mon pauvre cheval, excuse-moi, j'étais dans la confusion. C'était un guet-apens. Ah, sympa, des flèches. Pas toujours cette prix. Arc et Zwemer. Oh, vache. Oh, crochet. Cool. Et voilà. Il peut plus bouger. Ah, attends. Forgeon. Mouette forgeon. Oui. Ça, c'est cool. Ah bah tiens. Oh non. J'allais dire, je vais faire usage de la potion, mais... Ah, c'est bizarre, les pierres sont différentes. Putain, faut que je collectionne les pierres de... d'Oblivion, elles sont trop bizarres. Bon, bah... De toute façon, je vais prendre une potion de rien de magie parce que prout là, parce que prout. Eh oui. Mais non. Ben, tu peux bouger. Oh, mon pauvre cheval. T'es porc épique, malheureux. Attends, je vais fouiller le cadavre de l'autre. Minute. Quoi? Arc d'ébétude. Dégâts de froid. Ah, pas mal. Non. Avec crochet, ouais. Ouais, tant pis. Non, mais je pense que la dépouille va rester là un petit bout de temps si je repasse. Là, oui, c'est la torche qui vient de se dissiper. Et rien d'autre. Alors. D'ailleurs, je regarde. Oui, la cité impériale, j'arrive. Qu'est-ce qu'ils ont les bambis à éteindre deux fois soleil là? Ils sont des bambis tétanisés. Ils sont des bambis tétanisés. Bah alors les bambis. Oh là, c'est la folie. Enfin, tu vois, je préfère ça qu'une unité hostile. Hein. Une créature qui vient me patater. Alors attends, là, l'entrée là-bas, la cité. Je vois pas le grand pont. Oh non, faut remonter. Encore une porte de... Oh là là. Oui, bah je la retrouve plus tard celle-là. Hein. Oui, c'est ça, amuse-toi. Moi je donne ma démission. Oh non, si ça devient rouge, ça devient... il y a encore une porte de Lyon. Je sais pas où est-ce qu'elle est celle-ci. Oh les ténèbres toi. Comment je fais quoi? Attends, j'avais la cité impériale à vue, je l'ai plus, là je suis où? Ah non mais c'est ça, je suis obligé de faire le tour. Y'a pas de secret. Oh, la prochaine nuit, je vais l'apprécier, je l'ai dit. Ah.
Là, j'ai cru que le jeu allait cracher. Ah, comment ça s'est figé momentanément. Oula, attends. Est-ce que je peux faire de l'alchimie avec la peau de lion? Je veux voir. Apparemment, non. Non, non, non. Non, mais le problème, c'est que là, j'ai plus la place. Là. Peau de lion. Ah oui, ça pèse lourd pour rien. Bah, laisse tomber la peau de lion. Je vais rhabiller le... Je vais rhabiller le lion de sa peau, moi je vous le dis. Ça vaut rien et ça pèse une tonne. Allez, va-t'en. Mon cheval, il est où? Mon cheval. Ah. Attends, c'est mon cheval ou c'est celui du... Non, c'est celui du chevalier. Où est mon cheval? Ah, t'as là. Tu es allé te cacher. Il faut que je te prodigue des soins, mon cheval. Faut que j'apprenne le sort touché apaisant. Oui, la cité impériale. Bouge de là. Qu'y a-t-il? Est-ce que vous pouvez redonner un montant à mon cheval, s'il vous plaît? Hein? Et la cité impériale? Nous nous occupons des chevaux des gens de la cité impériale. On en vendrait bien aussi, mais ils disparaissent sans arrêt. Ah, il y en a tellement. À bientôt. À bientôt. Oh, on a besoin des chevaux. C'est pas comme si c'était à la capitale de la région. Bon, allez. Ah oui! Oh, ça va être reposant à côté de ce que j'ai vécu, la cité impériale. Ça va être relax. Ah oui. Laisse-moi mettre mon habit de... 6 points d'éloquence. Elle est bien celle-là. Alors attends. Oh, oh. Un peu de pudeur, s'il vous plaît. Oh, c'est la capuche de mèche. Non, ça ne va pas du tout. Voilà. C'est pas le bon ensemble. Oui, j'ai reçu mon bouclier, c'est bon. Ah oui, ah oui. Oh, les gants, mince. J'ai gardé les gants. Voilà. Ah oui, il n'y a plus besoin, là. Relax. Ah, oh, j'allais faire fortune. Oh, stylé. Ah oui, tu peux te la péter, ma grande. Trop bien. Jardin fiquier, marché. Eh ben, c'est parfait. J'y vais de ce pas.
Mes enfants vous remercient. Ah oui, mais je t'en prie. Tiens. Merci, chère madame. À plus, mon enfant. Akatosh vous bénisse. Infiltration. Filature. Et voilà. Salutations. Bonjour, toi. Marinus Catiotus. Ida Vlinorman et moi, on est associés. Mêmes intérêts, même style. Yeah, c'est bien. Des rumeurs? Je crois comprendre que la guilde des guerriers recrute. Ce n'est pas un mauvais travail pour certains. Et la cité impériale? La vie urbaine me tue. On ne fait que travailler. Et quand on finit par mourir d'épuisement, on va nourrir les poissons du lac Rumar. Tout ce que je demande, c'est de gagner de l'argent à l'arène et de vivre tranquillement. Alors c'est incompatible. Gagner de l'argent à l'arène et vivre tranquillement. Déjà, à l'arène, t'en perds. Et si tu es parmi les combattants, c'est pas tranquille. Enfin bref. Au revoir. Au revoir, monsieur Catoufou. Quoi? Attention, j'ai été en retard, oui. Je ne sais plus où devais-je aller. Ah bah! Je vais m'asseoir sur le tabouret là parce que. Bonjour! Oui? Alors. Des rumeurs? La guilde des guerriers recrute de nouveau. Ce n'est pas un mauvais moyen de gagner de l'argent, à condition d'avoir suffisamment de cran. Yep. Je suis en train de réfléchir à plusieurs trucs, moi, du coup. Attends. Irenimus Lex ? C'est ce capitaine de la garde impériale qui passe son temps à courir après le renard gris et la guilde des voleurs. Il court après des ombres, à mon avis. Je mettrai ma main à couper que la guilde des voleurs et le renard gris n'existent pas. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? Oh. Il a des Oh, il a des murs. Les murs, j'achète, ça fait regain de magie. Ah, la pastèque permet de faire de la lumière, dis donc. C'est fou. Ah, oh, je peux lui vendre mes potions. Ouais, ouf. Dégâts de feu. Mais ça, on s'en moque. Ah, ça, c'est pas mal. Silence pour 15 secondes, mais bon. Je vais lui revendre. On va voir le truc. Ouais, ça, ça peut sauver. Oh, c'est bien ça. Oh la vache, ça pèse lourd. 112... Non, ça, il faut que j'utilise contre un ennemi, ça peut être drôle.
Fort poison, ralentissement, dégâts de rapidité 10. Regain de magie 100 points sur soi. Ah oui, c'est bien ça. Oui, bah je la vends puisque maintenant. C'est plus que ce que je paie d'habitude. Oui, oh, ça va. Fini, oui. Râleur. Ah, la paralysie stratégiquement, c'est énorme. Je vais les garder. Fardeau, oui, non, là, c'est nul. Donc je revends. Ah oui, ça vaut cher, mais... C'est plus que ce que je... Oui, on a compris. Silence pour 30 secondes. Ouh, la violence. Je vais la garder, celle-là. Regain de rapidité, oui, je m'en moque. Ça, je m'en moque aussi. Ah non, ça, je garde. Oui, bah maintenant que j'ai le médaillon... Excellente transaction. Guérison de poison, guérison de maladie. Oh là, je t'en vends en 3, puis là... Je ne peux pas accepter. Ah, le marchand est fauché. Il est fauché, le marchand, il est fauché. Ah, il faut faire un par un. Ah, ah, ah. Cette feinte. Non, non, non. Je réduction de magie, réduction de magie. Ouais. Et de santé. Oh la vache, le truc, le violent. Ouais, non, là, les... Ouais. Faites-moi une meilleure offre. Oh! Prout. Réflexion de dégâts. Oui, bah, je te vends ça. C'est un prix équitable. Fouet, fouet, fouet. Pourquoi celle-là, elle pèse une tonne? Celle-là, elle pèse une tonne. C'est la folie. Non, non, il peut pas. Il a pas les thunes. Ah, ah. Vous êtes très dur en affaires. Oh, clochard. Cela me semble être un prix juste. Oh, tu m'étonnes. C'est un prix équitable. Oui, m'étonne. 16 silences, 1 kilo le machin. Non, mais faut arrêter. Non, mais je revendrai à un autre qui a du fric. Ça parle mal. Bon, bah, je suis content. Merci d'avoir fait affaire avec moi. Oui, merci, toi aussi. Attends. Adieu. Adieu. Écoutez. Ah. Oh putain. Je vais me lever dans une minute. Ouh. Et sortir d'ici. Le type qui se trouve dans le coin derrière moi va me suivre. Suivez-le. Putain, il m'a fait peur. C'est moche, ça fait ton sur ton. Faut pas faire ça, monsieur. C'est pas bien. Ah là 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 là. Quand vous voudrez. Bien, souvenez-vous. Attendez qu'il me suive. Je veux voir ce qu'il va faire. Je le surveille du coin de l'œil. Qu'est-ce qu'il fait? Attends voir. Bénis-moi, Talos. Nous avons un petit problème. De la purifier. Alors, l'agent ennemi qui avait attaqué Boris est mort. Il faut que je trouve ce
que... Non. Il faut que je trouve ce que Boris a appris de nos ennemis. Continuez. Fouillez-le. Je vais surveiller les alentours, si jamais il a des amis dans les parages. Oui, tu peux. Alors attends, je retire mon épée, je retire mon anneau, parce que là j'en ai plus besoin. Par contre, je vais bien mettre la lumière. Ah oui, c'est mieux. Oh non, il y a des trucs qui pèsent lourd. J'ai trouvé un livre étrange sur la secte de l'aube mythique. Il faut que j'aille le montrer à Boris. Alors attends. Oui, sinon il avait rien d'autre, le gars. Beau travail. Je suis content de vous voir, au fait. Vous arrivez au mauvais moment. Comment ça? Vous avez appris quoi, du coup? Les assassins qui ont tué l'empereur faisaient partie d'un culte d'Edric appelé l'Aube Mythique. Il semblerait qu'ils vénèrent le seigneur d'Edra, Merun Dagon. Je traque leurs agents dans la cité impériale et ils ont dû s'en apercevoir. L'ennemi à l'amulette. Qu'y a-t-il? Ils l'ont pris à Joffre? La situation est pire que je ne pensais. Et je connais l'héritier. Grâce à Talos, il est vivant. Martin Septime, dites-vous. Nous le remettrons sur le trône. Toutes les lames ont fait le serment d'y parvenir. Alors, prochaine mission? Il y a une érudite à l'université Arcane. Elle s'appelle Tar Mena. Elle est censée être experte dans le domaine des cultes d'Edric. Apportez-lui donc ce livre pour voir ce qu'elle en pense. Je vais suivre les pistes du réseau de l'aube mythique. Ok. Si vous apprenez quoi que ce soit, vous pourrez me trouver chez Luther Broad. Puisse Talos vous garder. Ok, merci, toi aussi. Tar Mena, je peux en savoir plus? Comme je vous l'ai dit, c'est un des cerveaux de l'université Arcane. Elle est censée savoir tout ce qu'il y a à savoir sur les cultes d'Edric. D'accord. Et le dit prophète, là, qui parle beaucoup de lui? Je ne sais pas grand-chose de lui non plus. Simplement qu'il est apparu à Anneville peu de temps après l'attaque de la chapelle. Ok. Ça aussi, il faudra pas que j'ignore cette quête. On verra ça plus tard, malheureusement. Merci, Boris. J'espère que Tar Mena vous apprendra quelque chose sur ce livre. Ça pourrait bien être la chance dont nous avons besoin. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ah ! Je sauvegarde, parce que là, je vais aller manger. Mais je suis content, c'était cool. C'était cool. Je ferai la suite tout à l'heure. Voilà, je suis tout à l'heure.